Salut la famille, salut les partenaires, bienvenue sur la chaîne Le Petit Éleveur Jodesca. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter jusqu'à 10 herbes consommées par les lapins. Et cela, nous allons vous donner les images et cela est très propre. Car nous avons fait une première vidéo avec le même titre et certains ont dit en commentaire que, les images n'étaient pas vraiment assez bonnes. Alors ici, nous allons prendre la peine vraiment de vous montrer tout et vous donner les avantages de ces plantes là quand vous utilisez ça dans vos chapelles. Si les démarches t'intéressent, vraiment abonne-toi et like et partage la vidéo. Alors, on se retrouve après le générique pour visiter toutes ces plantes-là. Abonne-toi. Salut la famille, salut voir de plus. Alors, comme j'ai dit tantôt, je vais vous présenter ici dans cette vidéo jusqu'à 10 herbes qui seront consommées par les lapins. Et si vous utilisez cette herbe, comme je vais vous dire dans cette vidéo, cela vous aura un très très bon rendement. Alors, nous allons aller au champ et pour les présentations. Mais si tu as besoin de nos formations, de nos accompagnements et de nos remèdes vraiment dans vos chapitres ou dans ce que vous faites vraiment, n'hésitez pas vraiment de nous contacter via le numéro que vous trouvez dans notre barre de description. Viens nous contacter vraiment. Alors, nous allons prendre la première herbe qui est les feuilles de patate. Ouais, les feuilles de patate douce. Les feuilles de patate douce, les voici. Les feuilles de patate douce, les voici. Vous voyez, ici, nous avons les feuilles de patate douce en quantité. Nous avons les feuilles de patate douce en quantité ici, là. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça ici partout, là. Les feuilles de patate douce, ouais. Alors, les feuilles de patate douce, c'est une plante que, bon, c'est très, très bon pour les lapines. Les lapines qui viennent de mettre bas là, les lapines en allaitement. Donc la lapine est en train d'allaiter là, vraiment la lapine c'est très bonne, c'est très très bonne pour elle, pour moi. Je vous assure, car ça stimule le lait en allaitement, ça stimule le lait en allaitement, qui fait en sorte que donc, ça booste le lait, ça augmente le lait chez la lapine. Et vraiment, quand le lait est beaucoup, les lapins consomment aussi beaucoup et ils grandissent bien. Vous voyez un peu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment réduire ça, de vous montrer beaucoup de choses vraiment. Je vais vous montrer beaucoup de choses vraiment réduire cela. Donc accroche-toi jusqu'à la fin de cette vidéo vraiment pour m'en bénéficier vraiment tout ce qu'on va partager avec vous réduire cela. Vous voyez comment réduire ça, on ne dit pas trop dans les explications. On parle droit au but, directement au point. Comme je vous ai dit tantôt, cette herbe est notre première herbe de notre liste. On appelle les feuilles de patate douce. Les feuilles de patate douce. Donc, ça veut dire, je vous ai dit que ça stimule le lait en gestation. Et ça facilite aussi la gestation. J'allais oublier. Ça facilite aussi la gestation. Quand une lapine est gestante, là, vous voyez que la mise bas peut aller jusqu'à... Bon, ça peut-être la mise bas est une grande mise bas. Vous commencez à donner cette feuille de patate, c'est la même peut-être au sixième jour. Peut-être au 25e ou 26e jour de la gestation. Là, le 30e jour, là, la lapine va mettre bas normalement sans problème. Vous voyez un peu. Alors, je vous ai donné deux bonnes raisons pour utiliser cela. Et je ne vous ai pas encore donné ces inconvénients. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas très bien aussi en engraissement. Car ça dégraisse un peu le lapin. Ça dégraisse un peu le lapin. Quand vous utilisez ce type, comme utiliser les feuilles de... Les feuilles de patate en engraissement, vraiment, vos lapins ne doivent pas bien grandir. Ils ne doivent pas vite grandir, en fait. Ils ne doivent pas vite grandir, mais ils seront de lapins bio. Ils seront de lapins bio. Voilà l'avantage encore. Vous voyez un peu. Donc, c'est fait avec les feuilles de patate douce. Regardez bien la plante. Regardez bien l'image. Voici les feuilles de patate douce. Regardez bien. Si ce n'est pas clair, notez-moi ça en commentaire. Donc, j'espère que vous avez bien vu. En deuxième position, nous avons ceci là, le papa. Les feuilles de palmier. Ouais, les feuilles de palmier comme ceci. Les feuilles de palmier ici là. Oui, les feuilles de palmier. Les feuilles de palmier comme ceci. Oui, les feuilles de palmier sont très très bien. Les feuilles de palmier sont très bien même. Je dis sont très bien. Oui, les feuilles de palmier. En engraissement, les feuilles de palmier sont très très importantes en engraissement. Les feuilles de palmier sont très importantes en engraissement, je vous assure. Car vous savez, en engraissement comme cela, les lapins ont besoin un peu de lipides. Ils ont besoin de lipides et vraiment, les feuilles de palmier sont très riches en lipides. Les feuilles de palmier sont très riches en lipides et aussi en huile un peu. Ils sont aussi un peu riches en huile. Ce qui facilite vraiment l'engraissement.
Quand vous donnez les feuilles de palmier comme ça au lapereau en engraissement, vraiment, ils grandissent plus vite que d'habitude. Ils grandissent plus vite d'habitude. Ça, c'est de l'expérience. Tu ne vas pas trouver ça dans un PDF ou dans une formation. Ça, c'est l'expérience acquise par Jutesca. Donc, vraiment, je vous demande vraiment de vous abonner massivement. Je vous demande de vous abonner massivement. Donc, j'ai juste un avantage de cette plante-ci là. Je ne connais pas vraiment plus. Je ne connais pas plus concernant cette plante-ci là. Donc les feuilles de palmier comme ça, c'est très bon. Ouais, les feuilles de palmier, nous avons ça ici en excès vraiment, les feuilles de palmier. Vous pouvez juste grimper là et couper juste une petite branche et donner environ, même une petite quantité, ouais. Ça n'est même pas beaucoup, car la plante lui-même ne consomme pas beaucoup, car c'est un peu dur. C'est un peu dur vraiment. Donc nous allons partir à la troisième herbe. Voilà, troisième herbe. J'ai dit, je vais vous donner jusqu'à 10 herbes ici là aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. Je vais vous donner jusqu'à 10 herbes. Nous sommes encore ici là sur la deuxième herbe. Donc nous allons tirer ici là, aller chercher la troisième herbe ici là. Ouais, nous sommes comme ça sur le chemin pour aller chercher la troisième herbe. Vous voyez un peu. Donc je pars chercher la troisième herbe. Ok, je suis arrivé. Voici la troisième herbe ici là, les feuilles de bananier. Et oui, les feuilles de banane douce là. Oui. Les feuilles de banane douce sont de très très bonnes herbes. Donc je peux dire quoi, cette plante ici là vraiment, si vous avez une plantation de feuilles de banane ici là, ne jetez pas les feuilles de ça. Ne jetez pas les feuilles. Nous avons ça ici en sorceau, regardez le champ. Oui, rien que les feuilles de bananier. Rien que les feuilles de bananier comme ceci là. Ouais. Et c'est là quand nous produisons les feuilles de bananier comme ça, quand nous produisons de la banane et les feuilles de bananier là, nous coupons ça et nous donnons à nos lapins. Là, ils vont consommer ça. C'est un peu bien pour les lapins, pour les jeunes lapines qu'on prépare pour la reproduction. Les jeunes lapines, quand on sort de l'engraissement, on les prépare pour la reproduction là. Ils sont très bien pour eux, car quand ils sont en engraissement, ils ont un peu de graisse là. Ils ont un peu de graisse. Donc, on utilise ceci là pour les dégraisser un peu et les amener en même temps pour la reproduction. Et vraiment, comme inconvénient, je n'encourage pas cette herbe là. Je n'encourage pas cette plante ici en engraissement. Car ça ne booste pas vraiment. Ça n'a pas un très grand rendement en engraissement. Mais sinon, c'est bon pour les lapines, les lapines en reproduction. C'est bon pour les lapines en reproduction et aussi pour les mâles. C'est une plante très énergétique vraiment. C'est une plante très énergétique. Ça a beaucoup d'énergie. Vous voyez ça ici en sorceau. Donc ça a beaucoup d'énergie ici là. Ouais. Donc c'est ça que nous boostons nos mâles avec. Nous boostons nos mâles avec et nos mâles sont très actifs même dans l'accouplement. Donc c'est la raison pour laquelle nous vous conseillons aussi cette plante ci là, les feuilles de banane douce. Même pour les feuilles de plantain, il n'y a pas de problème. Et je peux dire, comme quantité qu'il faut donner, environ, tu peux couper une feuille comme ceci là, une feuille comme ceci. Donc tu peux couper une longue feuille comme ça. Tu donnes à un lapin, il va finir ça. Un lapin va finir. Ça ne pèse pas, c'est très léger, mais c'est très énergétique en fait. C'est très énergétique. Vous voyez un peu. Donc nous sommes ici à la troisième plante. Alors nous allons aller ici à la quatrième. Je vous ai dit, je vais vous donner comme ça 10. Je vais vous donner 10 ici dans cette vidéo. Et augmenter même le bonus. Je vais vous donner même plus de 10 là. Si ça me plaît, je vous donne même 12. Car j'ai tout ici là à ma disposition. Quand je regarde ici, je vois directement tel. Sans plus tarder, nous allons aller à la quatrième plante qui est ici le papa. Le papa lui-même, l'herbe à lapin, c'est ce qu'on appelle herbe à lapin, là. Lui, le voici. Oui, voici l'herbe qu'on appelle herbe. Voici ce qu'on appelle herbe à lapin. J'ai discuté avec un petit internaute dans les commentaires sur la précédente vidéo que j'ai fait concernant cette herbe à lapin. Il me disait que ça, c'est pas herbe à lapin. Vraiment, vous-même, venez commenter. Et d'ailleurs, je n'ai pas vraiment besoin de discuter avec qui que ce soit. Vous voyez un peu. J'ai pas besoin de discuter avec quelqu'un. Quand je dis que ça c'est l'herbe à lapin, c'est pas parce que c'est moi qui a décidé que ça soit herbe à lapin. C'est pas moi qui a décidé que ça soit herbe à lapin. Voici une autre ici. Voici ça ici. C'est quoi ce que nous on appelle herbe à lapin ici là. Un côté est généralement violet comme ceci. Donc le côté du bas est généralement violet comme ceci là. Et le côté du haut est vert comme ça. Ça a souvent des petites fleurs à la main quand ça atteint la maturité. Donc voici ça ici, l'herbe à lapin. Regardez bien. Ne me dis pas que tu ne vois pas. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Quand je montre tout ici là. Quand je me mets sur une position, je filme, c'est pas clair, je me tourne. Je prends la position qui est bien claire. Donc regarde ici là correctement.
Une personne va me dire que ça, c'est pas l'herbe à la personne. C'est pas moi qui a choisi ton temps. C'est pas moi qui a choisi. Quand je te dis comme ça, il faut se t'accepter. Je ne fais pas les choses au hasard. Je ne tape pas sur Google. Vous comprenez un peu. Je ne vais pas taper sur Google pour en savoir quelque chose ici dehors. C'est pas forcément qu'on doit taper sur Google. Vous voyez un peu. Nous avons nos Google de lapin. Nous avons nos Google de lapin. Ils sont ici derrière, ils marchent. Là, vous voyez, les gens vous simplifient toujours. Donc, voici ça. Désolé pour le petit bavardage. Parce que ça, vraiment, l'herbe à lapin, c'est très, très important. Même chez les humains. Il dit même chez les humains. Même chez les humains. Même chez les humains, l'herbe aussi est très importante. Nous allons prendre ses avantages, vraiment. L'herbe aussi, là, vraiment, quand tu as une lapine, quand tu as une lapine, souvent, qui refuse l'accouplement. La lapine refuse souvent l'accouplement. C'est parce qu'elle est souvent stressée. Elle est souvent stressée, vraiment, comme je parle. Elle est souvent stressée. Vous savez que quand moi, je veux présenter un problème, quand je veux présenter une solution à un problème, j'explique d'abord le problème avant de donner la solution. Donc ici, là, ça peut faire un titre d'une prochaine vidéo. Mais j'amène ça tout dans la vidéo aussi. Là. Quand une lapine est stressée, là, quand une lapine est stressée, tu donnes l'herbe à la pince, là, elle mange ça comme ça. Deux jours, tu l'amènes sur le mal. Pap, l'accouplement a réussi. C'est GK qui a parlé. Vous comprenez un peu. Donc, c'est ce que j'ai dit ici. Là. Donc, c'est parce que l'herbe là, ici, là. Donc, ça réduit le stress en conclusion chez la pince. Ça réduit le stress. En conclusion, comme je dis, ça réduit totalement le stress sur les lapins. Donc, ça chasse le stress. Même. Vous voyez un peu. C'est Judeska qui parle. Judeska, vraiment mentionnez Judeska dans les commentaires, s'il vous plaît. Oh. Donc, comme je vous ai dit, là, c'est très bon pour l'engraissement car c'est une plante riche en protéines. Donc, c'est une plante riche en protéines, c'est très bon pour les lapins. Même si tu as, une formulation alimentaire qui n'est pas très, très équilibrée, vraiment, tu peux utiliser cette herbe-là comme. Je peux dire ça comment? Donc, tu peux utiliser ça aussi pour mixer avec ton aliment, mixer avec ton aliment pour rendre ça un peu plus solide que d'habitude. Vous voyez un peu. Donc, cette herbe-là, vraiment, on appelle ça herbe à lapin. Moi, je n'ai pas encore d'inconvénient à donner à cette herbe-là. C'est vraiment appelé herbe à lapin. Donc, c'est le père de lapin. Donc, moi, je ne vais pas donner des inconvénients à cette herbe-là. Nous allons chercher la cinquième plante. Nous allons chercher la cinquième plante. Number 5, oui, la cinquième plante, nous allons chercher. Oui, voici la cinquième plante ici-là. Voici la cinquième plante ici-là. Voici la cinquième plante. Cette plante ici-là qui a les piquants généralement comme ceci-là. Oui. Cette plante ici est très importante vraiment. C'est très, très importante. Cette plante ici est très importante vraiment. Donc, la cinquième plante, c'est celle-ci-là. Je ne connais pas son nom scientifique, mais ici-là, généralement, on appelle ça herbe à piquant. Herbe à piquant. Laissez-moi aller à l'ombre avec la plante. Comme ça, vous qui dites souvent que vous ne voyez pas bien là. Ouais, là, vous voyez vraiment ça normalement. Laissez-moi déposer ça ici. Donc, voici la plante en question. Voici la plante en question. La plante est juste est vraiment comme ceci. Et ça, souvent, à la maturité comme ici, là, vous pouvez le constater. Ça a des petits fleurs, hein, déjà jaune au-dessus. Mais et aussi, ça, souvent, les piquants. Ça, souvent, les piquants, quand ça atteint vraiment la vraie grande maturité et ça commence à sécher. Ça, les piquants, comme vous pouvez le constater ici, là. Ça, les piquants comme ceci, on appelle ça souvent herbe à piquant. Ouais. Cette herbe, c'est très important d'avoir une culture vraiment. Après, bon, moi je peux solliciter cette herbe-là comme deuxième herbe après l'herbe à lapin. Je peux dire qu'après l'herbe à lapin, c'est cette herbe qui vient de devant moi. C'est cette herbe qui vient car c'est très riche en protéines. Vous savez que tout ce qui est riche en protéines, vraiment, c'est très merveilleux car on amène ça pour les lapereaux en engraissement et ça nous facilite l'engraissement. Vraiment, si tu n'as pas bien regardé cette herbe-là, vraiment, prends la peine à bien regarder car je n'ai pas beaucoup parlé au-dessus car je ne connais pas son nom scientifique. Vous voyez un peu. Donc, regardez bien cette herbe-là. J'appelle moi souvent ça herbe à piquant. Mais beaucoup d'éleveurs appellent ça herbe à piquant. Donc, c'est pas moi le seul. Donc, regardez bien cette herbe-là. Vraiment, regardez bien là. Regardez. J'ai arrêté. Même les tiges ici, regardez bien. Ouais, j'espère que vous avez regardé. Donc, ça, c'est la cinquième plante. Ça, c'est la cinquième plante ici, là. Ça, c'est la cinquième plante. Nous allons aller sur la sixième plante. La sixième. Je cherche la sixième plante. C'est juste devant moi. La voici. On appelle ça le grimpeur. Le grimpeur ici, là. Oui. Cette herbe ici, là. Et voici ça. Vous tous, vous reconnaissez cette herbe ici, là. Car on utilisait souvent ça. On utilisait souvent cette herbe ici, là, pour tuer la teigne sur la tête souvent des enfants en Afrique. Vraiment la teigne. Quand une personne atteint souvent la teigne là, la teigne sur la tête, beaucoup de pellicules qui forment
qui forment la teigne. On utilise souvent cette plante ici là. On utilise souvent cette plante ici là pour tuer cette teigne là sur sa tête. Donc voici la plante en question. Je mets ça sur un angle un peu plus clair. Voici la plante en question. Donc cette plante ici là, vraiment, ça joue un très grand rôle dans l'élevage de lapin. Quand le lapin est souvent constipé, la constipation souvent chez le lapin. Quand le lapin se sent souvent constipé là, ouais, vous pouvez prendre cette herbe là, donner à ce lapin là. Quand il va consommer juste une petite quantité, pop, ça va le dégager. Il va se être libéré. Il va se libérer seul. Donc cette plante ici est très très importante. Mais il ne faut pas donner ça en excès, car ça peut provoquer des diarrhées si vous donnez ça en excès au lapin. Ça peut provoquer des diarrhées car c'est une plante très très puissante. C'est une plante très très puissante vraiment. Ça peut donner des diarrhées au lapin. Donc il faut donner ça en petite quantité. Comme la quantité que vous pouvez couvrir au sol, c'est la quantité normale que vous pouvez donner à un lapin. Juste en cas de diarrhée, juste en cas de constipation, désolé. Juste en cas de constipation, vous pouvez donner une petite quantité comme ceci. J'espère que tu as bien vu l'image. Voici ça. Donc nous allons aller chercher notre septième plante. Donc marchons. Allons chercher la septième plante. Oui. Allons chercher la septième plante. Ouais. Voici notre septième plante ici. Ici nous allons faire au Susongo. Oui. Le Susongo, voici ça. Vous savez d'abord que le lapin d'abord c'était un animal qui normalement il vivait au champ. Avant que c'est l'être humain cela qui a qui a domestiqué le lapin en fait. Donc le lapin était un animal de brousse, un animal sauvage. Et au champ, il mange rien que du songo. Donc ici là, moi, je n'ai pas moi pris de la peine pour étudier le lapin pour dire que non, il doit manger le songo ou pas. Ceux qui sont au champ, ils mangent quoi pour vivre? C'est pas le songo ça qui mange. Et pourquoi je vais dire que moi, ici à la maison, il doit pas le songo, mon lapin. Donc voici le songo, ça doit savoir le lapin. C'est ce que je fais chaque jour. Et j'ai même fait plusieurs vidéos où je donnais le songo à mes lapins et ils mangeaient normalement. Certaines personnes m'ont porté critique en me disant que non, ça va me créer des dégâts. Non, ils disent que non. Quand ils sont en champ, là, qui est le contrôle qui dit qu'ils ne mangent pas le songo? Ils mangent tout ce qu'ils voient. Et les lapins de champ sont très très malins. Ils sont très malins. Quand ils ne mangent pas ce qu'ils ne savent pas, tout ce qu'ils mangent, c'est que c'est bon. Donc, le lapin mange bon songo. Parce que ce songo ici, là, le lapin mange ça. C'est très bon pour le lapin. Même. Ce songo. Songo, donc j'ai dit ça, il faut donner le songo à vos lapins, même sans quantité, donnez-le le songo, que le songo ne manque pas chez les lapins, oui, voici le songo, donnez-le au songo, donnez-le songo au lapin, désolé. Donc on va prendre la huitième plante, qui est notre papa ici, oui, toi, cette herbe-ci, on appelle ça les dents du lion. Désolé, tant je cueille un peu cette herbe-ci. Je ramène chez un endroit propre. Oui, on appelle ça les dents du lion. On appelle ça chez nous les dents du lion. Cette herbe-ci est très très importante chez vos lapins. Donc c'est très important chez vos lapins. Vraiment, ça joue un rôle spirituellement et aussi vraiment physiquement. Donc c'est un truc vraiment que c'est très spirituel vraiment en élevage. Cette herbe-ci là, je conseille beaucoup d'éleveurs vraiment à donner cette herbe-ci à vos lapins. Je ne peux pas vous expliquer cette herbe. Je ne peux pas vous expliquer vraiment le rôle de cette herbe-ci là totalement car c'est une herbe vraiment très compliquée vraiment. Donc, donnez cette herbe-ci à vos lapins. Ça joue aussi le rôle d'un petit blindage. Mais sinon, donnez cette herbe-ci à vos lapins. C'est aussi très bon pour la santé car ça soigne beaucoup les maladies chez les lapins. Il y a souvent que ça soigne même souvent les diarrhées. Et souvent, ça donne la diarrhée. Donc, je n'ai pas encore vraiment compris l'herbe-ci là totalement. Je n'ai pas encore vraiment étudié l'herbe-ci à comprendre. On voit un peu car c'est un peu difficile même pour moi de bien comprendre ça. Donc, donnez ça à vos lapins vraiment. Ça m'a jamais créé des dégâts. Car tout ce qui ça fait, ça résout seul. Et ça résout beaucoup de problèmes dans le chaptel. Donnez ça vaut la peine, les gars. Allons chercher la neuvième plante. La neuvième plante. Si tu es ici à la 19e minute de cette vidéo, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour en bénéficier vraiment de tout. Les astuces. Quand je parle cela, je me passe devant la caméra comme ça, c'est parce que je suis en train de chercher avec mes yeux. Quand je fais la vidéo comme ça, j'ai pas encore mis qu'il y a telle herbe sur telle place, Je suis en train de chercher encore où on a fait la vidéo. Donc, je passe la neuvième plante.
Et voici ma neuvième peine ici là. Ici là, j'ai le moringa. J'ai affaire ici au moringa. Ouais, le moringa est très important chez la peine. Le moringa est très important chez la peine. Même chez les humains, beaucoup de personnes savent dire ça. Donc ici là, je n'ai pas beaucoup parlé du moringa. Le moringa soigne beaucoup de maladies dans tous les élevages, dans tout moment les élevages. Voilà, dans tous les élevages, comme je dis tantôt. Donc nous avons aussi l'aviculture, la cuniculture, la pisciculture et l'élevage de bovin. Donc nous avons même l'élevage de bovin, ça soigne beaucoup de maladies vraiment. Donc, donner du moringa à vos lapins, surtout en engraissement. Surtout en engraissement. Certaines personnes vont dire que ce n'est pas du moringa ici là. C'est le jour que je vais vous montrer les fruits du moringa. Sur les plantes que je vous présente souvent, que vous allez accepter que c'est le moringa. Car vous pensez tout que le moringa, c'est tout ce qu'on voit sur Google. Pour Google là, chaque climat a vraiment, je peux dire ça comment, chaque climat a sa qualité de plante que ça donne. Donc la qualité, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Si mon climat est chaud ici là, les feuilles de peut-être de ma plante ne seraient pas comme ta part où c'est très froid. Vois un peu. Donc c'est ça que je voulais vous présenter comme ça là. Ici là, les feuilles sont tellement vertes car le climat ici est chaud et est froid et la terre est bonne. Et la terre est bonne. C'est ça que ça sort comme ça, très très joli. Donc demain ça vaut la peine en quantité et c'est très bon pour le lapin en engraissement comme en gestation. Donc tout stage de lapin, c'est très bon pour lui. Ok, nous allons aller chercher la 10e plante qui sera la toute dernière et qui sera la fin de notre vidéo. Et je l'ai déjà pointé ici une fois, qui est le ndolin. Oui, te voici le ndolin, te voici. Oui, voici le ndolin ici. J'ai pas besoin de montrer beaucoup d'images concernant le ndolin. J'ai plein des images concernant le ndolin dans ma chaîne ici là. Allez dans ma chaîne ici là et regardez les vidéos concernant les 10 plantes que j'ai déjà montré. J'ai montré d'autres 10 plantes dans la précédente vidéo. Tu peux aller regarder ces 10 là, plus ces 10 là. Et tu vas voir que ça va tenir peut-être 20 plantes que tu vas connaître de nouveau sur les lapins qu'ils consomment. Alors voici les feuilles de ndolin ici là. Le feuille de ça, j'ai rien dit sur cette feuille comme inconvénient, juste davantage. Donc, donne ça à ton lapin abondamment et ça va te soigner, ça va te prévenir les maladies telles que la coccidiose, la diarrhée, quoi encore là, la constipation, cette maladie, on appelle encore ça quoi là, et le coryza aussi, le coryza. Cette maladie-là qui m'échappait, le coryza. Donc, ça joue aussi un très grand rôle en cuniculture. Alors, ciao, ciao, la famille. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous là-bas. Likez là-bas et partagez la vidéo. C'est vraiment un mot de votre famille qui ne fait rien dans la vie et tout le monde, n'importe quoi. Vraiment, mon numéro se coupe dans la barre de description. Laissez ce numéro-là et nous allons causer business, vraiment. Regardez pas ma face. Nous allons causer business, vraiment. Abonnez-vous, lancez-vous les gars, lancez-vous. Je vous laisse car le meilleur.